tout le monde, c'est Vega et aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto faire cuire des pâtes carbonara et nous sommes en compagnie de Unicode. Bonsoir mes petites tatanes, j'espère que vous avez toujours la pêche, un maximum de peps et que vous êtes prêts pour cette vidéo parce que ça a bougé dans tous les sens et si vous êtes épileptique, ne regardez pas. Putain, c'est... Alors, donc, pour faire des bonnes pâtes carbonara, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des pâtes et de la carbonara. Voilà, c'est bon, le tuto est fini. Ciao tout le monde, peace. Nous allons aujourd'hui vous proposer un petit peu de contenu Skywars une nouvelle fois, car oui, nous adorons le Skywars. Si tu ne l'as pas remarqué, clique sur j'aime. On a vu aussi que ça vous plaisait bien et que vous aimez bien, mais justement, que ça vous plaisait. Et on va vous faire des Tatane épisodes un peu de plus longs. Skywars. Des épisodes un peu plus longs parce que vous avez dit. On a pris compte de vos commentaires. On a dit que c'était un peu court. Enfin, vous avez. Oh putain, j'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Vous avez dit que c'était un peu court, mais du coup, on va faire ça plus long comme. Comme les cours du samedi qui sont très longs, quand on a Voilà. cours le samedi, ça paraît vraiment long quand même. C'est exactement ça qu'on voulait dire. En tout cas, une fois de plus, merci pour les plus de 300 abonnés. Ça allait très vite. Et on n'a rien vu arriver, on était comme ça, pouah, servait dans nos yeux. Et on est très content. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Enfin bref, donc du coup, on a franchement, on vous remercie vraiment pour les 321 abonnés. À ce moment, au moment où je parle, donc on a 321 abonnés, plus les 3-4 comptes fake que je viens de créer dans pas longtemps, on aura 325 abonnés. Donc voilà, merci à tous. Pour fêter ça, une petite chanson. J'ai demandé à la lune si elle voulait encore de moi. Elle m'a dit, ok, c'est bon. Waouh! Bon, Waouh! L'extase. Waouh! on va essayer de vous proposer du bon gameplay. Je vais grimper en orbite pour être au calme et knockback les gens. Devoir, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, paf, knockback 10. T'inquiète pas, je contrôle la situation. À partir du moment où ils seront sur une surface plane, je sauterai de tout mon élan pour leur mettre la tatane suprême. Alors, que se passe-t-il, Miguel? Raconte-moi tout. Bah écoute, pour l'instant, ça se passe pas grand-chose. À part que lui, il va voler! Paf! Regarde, Tu as pété les culs. c'est comme ça que j'ai fait. Oh, la chatte qu'il a eu! Et lui, il a pas compris que j'avais une balle knockback, je pense. Ouais, non, il avait pas compris. Moi, je m'attaque au diamant à la main. Idiot. Flash! Oh mec, il y a eu un gros bug! J'ai récupéré le diamant alors que je l'ai miné à la main. Je vais me faire tatane, je vais me faire tatane! Et moi aussi. Tiens, on va faire un truc intelligent. Oh, j'ai réussi à fuir. Ah, il m'a capté, il m'a capté, il m'a capté, je suis. Je vais où? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Il m'attrapera jamais. Oh, une potion abandonnée. Une posture abandonnée. What? 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 Il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur en vrai. Attends, lui, si je l'ai par derrière, tu vois. Ça va être la tatane. Oh. Regarde bien, regarde bien. Oh! Tu penses à quoi? Ok. Non, 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 attends. Oh! Oh! Tu m'as sauvé la vie! Paf. Ah! Elle est belle ma cage. Je l'ai mis en rose parce que je trouvais que c'était plus esthétique pour la vidéo. Castagne! Voilà. Alors, il y a aussi quelques personnes qui m'ont demandé quel était mon ressource pack. Et c'est un ressource pack que je mettrai en ligne, enfin en téléchargement pour les 500 abonnés. Donc il y a une version 32 du pack et une version 64. Et bah, je vais mettre en ligne pour les 500 abonnés. Donc, hein, si vous avez hâte, mettez le peps, les gars, allez! Et Vegas prend une tatane. Oh, joli retournement de situation. On m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Oula, il veut ma peau, quoi. Ah, elle la veut pas à moitié. Ils arrivent Oula, les deux, ils oula. arrivent les deux, je pense. Soit ils auront pas ton stuff. Oh! What? C'était quoi ce bordel? Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. T'es sérieux? Ah Oh putain, t'es. putain, j'avais fait une partie de malade et là. Ah Malade. putain, c'était la grosse bouse universelle. Bon, est-ce qu'on peut faire un fil rouge? Bah, je sais pas, tu veux faire un fil rouge ou pas? Oui, je veux faire un fil rouge. Est-ce que tu veux refaire un fil rouge? Ok, ben refaisons un fil rouge. Je rappelle les règles du jeu. Non, je rigole, je les rappelle pas. Vous devez vous en souvenir, sinon vous êtes des Tatanas Pampalas.
Z de Tatana Spam Palace. Alors le but c'est de dire un mot et bourre. Alors, c'est l'histoire d'une pomme. Châtaigne. Qui plongeait sa main dans un chocolat chaud. Mais un jour de printemps, pomme de pin tomba sur le nez d'une fourmi pendant qu'elle cultivait l'aquatisme. Tout en mangeant la cogolaxicomatisation des lois du marché. Tu détruis le feuillage, tu détruis la forêt. Tu es un ennemi de la forêt. Bon, écoute, Louis, pendant longtemps, je te l'ai pas dit, mais il faut que ça sorte un jour. Oui. Et je me suis dit que cette vidéo, c'était le moment pour te le dire. Oui. La pâquerette de ton jardin a fané. Non ! Qu'est-ce que t'as fait, en fait ? Je suis arrivé comme ça, j'ai sauté, tac, et je suis revenu en arrière. Comme un banc, et comme un vrai. T'es sérieux ? Tu m'as vu tomber dans le vide. Bah, raconte-nous une histoire. Alors, Pierrot se baladait tranquillement dans la forêt en ramassant les châtaignes avec ses grands-parents. Mais tout d'un coup, Pierrot vit une loutre sous-marine qui s'était perdue dans la forêt. Il demanda à ses grands-parents d'aider la loutre. Mais en fait, Pierrot avait juste mangé un champignon hallucinogène. Rends-moi tout de suite ce plastron. Bah non, j'ai pas de plastron. En fait, je savais même pas si t'en avais ou pas, mais j'ai dit ça et comme ça tu m'as donné. Oh, t'es... Ok. Là par contre, là c'est la mamboulaï. Là c'est la mamboulaï, mon pote. Oh, quand je t'ai piqué. Fais gaffe, y'a un mec derrière toi. Ah non, c'est pas toi en fait. Mais y'a quand même quelqu'un derrière moi. Je suis visionnaire. Il faut tuer lui, il a essayé de me clean. Voilà. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Ciao, pasta. Soyons sérieux. Yeux. Yeux. Poulet. Oh, regarde ces petites marguerites. Elles aromatiseraient très bien la soupe. Petit. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas. Fais gaffe, il a wave. Il a wave.